Eh bien salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo à Lifou. On va visiter une grotte, apparemment une des plus belles grottes. En fait j'ai rencontré une enseignante sur place et en fait elle m'a dit voilà on va aller voir une grotte. La guide s'appelle Justine. Donc là on va retrouver donc les personnes qui travaillent au dispensaire. Alors les personnes que j'ai rencontrées hier en stop, en fait c'est des infirmières simplement qui travaillent sur l'île. Travailler dans le médical, vous pouvez travailler facilement dans les dispensaires locaux. Il faut avoir envoyé bien sûr votre candidature. Allez, je vais les retrouver directement devant le dispensaire de Repenay les amis. Le vrai problème de Lifou, c'est les paquebots qui débarquent un jour sur trois. Donc renseignez-vous avant les paquebots. Je sais pas si vous voyez les touristes juste derrière. C'est pour moi un vrai problème sur cette île. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Après, les Australiens ou les gens qui débarquent sur l'île restent que sur la partie nord-ouest de l'île, mais quand même, c'est contraignant. Sur les îles, le budget est beaucoup moins important que sur la Grande Terre. Je m'en sors pour 20 euros par jour. En fait, le camping 8 euros, un peu la nourriture et les extras 20 euros par jour. Franchement, vous faites du stop, vous faites du camping et franchement, vous voyagez pas cher. Direction les grottes de Roi Nono. C'est une des trois tribus qui font pas jouer. Les paradis sur l'île de Lifou. Donc là, je rejoins donc une des infirmières que j'avais rencontrée en fait hier sur l'île de Lifou en fait. Toulouse. Et ton prénom c'est Bastien. Bastien, voilà. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de visiter les grottes et avant on va faire un super restaurant qui est apparemment bien réputé sur l'île. Donc on fait confiance à Bastien, donc qui est infirmier sur place. Du coup ça voilà. Fait longtemps que tu es ici? Ça fait 3 ans. D'accord, et ça va, ça se passe bien, c'est pas trop dur infirmier Non, ça change, il faut s'adapter, mais c'est bien. D'accord. C'est un petit peu la chance de pouvoir rencontrer notre culture et de partager pas mal de bonnes choses. Ouais. Non, c'est une super expérience. Et là, je suis au Fetchasson, les amis, un des restaurants phares de l'île de Lifou. À bas la fin. Ouais. À bas la fin, regardez le plat, super bon. Enfin, ça a l'air super bon. Je vais vous dire ça tout de suite. Et voilà, les amis, le restaurant est terminé. Alors, j'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de vent, mais franchement, le restaurant, je le conseille vraiment fortement. Vraiment excellent, copieux, qualité, rapide. Le Fetchasson, je vous mettrai l'adresse directement en bas de la vidéo. Maintenant, dirigez vers les grottes. Et voilà, la visite commence, c'est 3500 par personne, ce qui est environ 30 euros. Alors le nom de la grotte c'est Kago, donc pas loin de Wei. Je vous mettrai directement en bas de la vidéo pour vous localiser directement sur la carte. C'est 15 minutes de marche et après on va se baigner au translucide les amis. Il faut savoir qu'à Lifou il y a énormément de grottes, donc si vous aimez un peu la rando, l'exploration sur les îles, loyauté, il y a quand même énormément de grottes particulièrement. Du coup, vous pouvez passer une petite demi-journée à visiter au moins une grotte. Pour l'instant, j'en tiens un très bon bilan de l'île de Lifou. Mais cependant, le point négatif, ça reste les paquebots. Je vous en ai déjà parlé, donc vraiment, renseignez-vous à l'avance. C'est vraiment pas forcément constant. Il y a des jours où il y a plein de paquebots, enfin un paquebot par jour. Et des fois, il n'y a pas de paquebot pendant 3 jours. Renseignez-vous bien. À part ça, voilà, le bilan est très bon. Les locaux sont vraiment extraordinaires. Sur les îles Loyauté, les gens sont beaucoup plus détendus que sur la Grande Terre. Voilà, avant d'entrer dans la grotte, on va devoir franchir la porte et faire la coutume. Je vous ai demandé de cueillir 2 feuilles identiques de la même espèce parce que nous allons faire une coutume. Une coutume qui se trouve ici. La coutume, c'est cette porte-là. Cette porte où vous n'allez jamais passer à droite ni à gauche sans avoir fait cette coutume. Parce que pourquoi? Parce que nous, ici, comme ailleurs, on a chacun nos mythes. Et nous, on a nos mythes ici. On a nos lutins, on a nos sorciers. Que ce soit en bien ou en mal. Et ces 2 cailloux, elles représentent 2 filles. Ces 2 filles, elles sont partout sur Lifou. Là où vous irez, vous allez toujours entendre parler d'elles. Il y a la dame blanche et la dame noire. C'est comme le yin et le yang, elles représentent le bien et le mal. Elles n'ont pas de nom, donc en Lifou, on dit Loué Davine, qui veut dire les 2 filles. Donc pourquoi 2 feuilles identiques? Parce qu'elles sont jalouses. Si on ne fait pas bien la coutume, il peut vous arriver quelque chose dans la grotte. Et je vous dis bien, il peut vous arriver quelque chose. Vous blesser ou quoi que ce soit parce que vous n'avez pas bien respecté la coutume et vous n'êtes pas bien présenté. Et ça, nous on le fait, on le redira tout le temps, comme moi, mes frères, c'est de génération en génération, parce que c'est important, c'est déjà arrivé. Ça va? Donc là, on est déjà descendu à 30 mètres et là, on va descendre à 12 mètres dans le gouffre et dans l'eau jusqu'à 25 mètres.
Et là, on va descendre dans la grotte, les amis. C'est parti. Allez les amis, on va dans l'eau. Je peux vous garantir, elle est gelée. Mais franchement, elle est transparente. Ça va être un truc de fou, les amis. Ah, putain. Ouais. Comme on dit, rafraîchissant, les amis. Oh. Regardez la transparence de l'eau. C'est vraiment impressionnant. Putain, mais c'est un truc de fou. Comment elle est magnifique, l'eau. C'est parti où? Allô? Merde. Mais dans la deuxième, ici, c'est la case de sa plage fêtière, faite par les gouttes. Ça va être après avec vos propres imaginations. Mais là, je me dis, c'est hyper sérieux. Ça, tu vas venir, merde. On va chercher des piles, hein. Longtemps. Et c'est éclairé. Et dehors, c'est du bleu. C'est trop beau. En plus, c'est avec les reflets de ce miroir. Et voilà, pour partir dans la grotte, il faut faire aussi la coutume, donc prendre deux plantes de la même endroit et de dire un petit mot. On rentre chez nous. Merci beaucoup. Et voilà les amis, l'épisode est terminé. Franchement, le bilan est exceptionnel. Alors je me mets ici parce qu'il n'y a pas de vent. Vraiment, les grottes, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour si vous venez. Donc je mettrai le nom juste en bas à droite de la grotte, précisément pour pas vous tromper avec le lieu. Voilà, on fait les choses professionnelles. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur YouTube et surtout à mettre un petit commentaire. Regardez, vous avez lunettes de soleil, lunettes de vue. Et vous savez pourquoi j'ai une lunette de soleil, lunettes de vue directement? Parce qu'en fait, j'ai chopé une infection. Toujours voyager avec une assurance santé. Donc, retrouvez en description le lien de mes assurances santé. Allez, salut les amis, à bientôt et rendez-vous prochainement sur ma chaîne YouTube. Au revoir.